le tronc commun est une réforme clé du pacte pour un enseignement d'excellence. Il vise à renforcer la qualité de l'enseignement et à réduire les inégalités. Il s'agit d'un parcours d'apprentissage identique pour tous les élèves de la première maternelle à la troisième secondaire. Dans le nouveau tronc commun, les contenus d'apprentissage ont été entièrement modernisés et revus pour établir des ponts concrets avec le monde réel et la société du 21e siècle. 8 domaines d'apprentissage ont été définis. Certains sont plus novateurs, comme la formation manuelle, technique, technologique et numérique, l'éducation culturelle et artistique, la formation économique et sociale, ou encore l'esprit d'entreprendre et la créativité. Certains domaines sont renforcés, comme le français, les mathématiques ou encore les langues. Tout au long du parcours, les élèves multiplient les découvertes et les expériences. À la fin du tronc commun, ils auront tout testé et seront mieux armés pour poser des choix positifs et s'orienter. Le tronc commun, c'est aussi soutenir la réussite de chaque élève. Grâce à des évaluations formatives plus régulières, permettant aux équipes de distinguer rapidement les besoins de l'élève. Besoin de consolider la matière ou de se dépasser pour les uns, besoin de remédiation pour d'autres. Identifier ces besoins différents permet une prise en charge adaptée de chaque élève. Les enfants en difficulté font l'objet d'un suivi rapproché et personnalisé, notamment grâce à la présence d'un deuxième enseignant en classe durant 2 à 4 périodes par semaine ou à du travail en petits groupes. Tout est mis en œuvre pour assurer la réussite des élèves et contribuer ainsi à diminuer le redoublement. Faire en sorte que chaque élève trouve sa place dans la société, c'est l'objectif ultime du tronc commun. En donnant les mêmes outils à tous les élèves, les mêmes chances et les mêmes opportunités de devenir des citoyens actifs et épanouis, le tronc commun favorise le développement d'un enseignement émancipateur et inclusif qui ne laisse personne au bord du chemin.